Vanille. Est-ce que cette chanson Daylight te touche personnellement ? Oui, puisque c'est mon texte, c'est mon histoire. D'ailleurs, je crie dans le refrain, je parle de ma mère. Je ressentais pas la douleur particulièrement, j'étais dans un déni mais conscient, je me disais wow. Romain VDS, en quoi tu te reconnais dans ce morceau ? En fait, de base, moi je suis d'un univers vraiment pop rock. Ce morceau-là représente vraiment ce que j'aime bien faire. Je n'ai pas composé avec un texte, j'ai écrit une histoire plutôt par rapport à la musique. J'ai essayé de trouver la puissance que je voulais. Le mélange sonne super bien et la voix de Fanny Tzu, la manière dont elle a chanté les couplets plus en rap comme ça et partir en criant sur le refrain, c'est vraiment terrible. Bonjour les amis, je suis en compagnie de Fanny et Romain VDS. Bonjour Fanny. Bonjour Audrey. Bonjour Romain. Bonjour Audrey. Où sommes-nous Fanny ? Dans le studio de Romain. Et pourquoi sommes-nous dans le studio de Romain VDS ? Pour vous présenter un titre qu'on a sorti qui s'appelle Daylight. Est-ce que tu vois une forme de violence dans cette chanson ? Oui, une violence sentimentale quand même, une violence émotionnelle parce que j'ai crié quelque chose de très important. Romain, si tu devais donner envie à quelqu'un d'écouter Daylight, qu'est-ce que tu lui dirais ? T'aimes le rock ? Écoute Daylight, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Daylight pour les jours à venir ? De percer.